Chers amis de Léon Joléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'actualité restait dominée par l'éruption volcanique à Goma, bien évidemment. Mais aujourd'hui, nous allons quand même parler de ce procès en appel qui va s'ouvrir le lundi 31. Le lundi 31, bien évidemment, 31 mai 2021, à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, vous le savez, c'est le procès en appel de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui a été condamné au premier degré à 20 ans de prison ferme. Et les avocats de Vital Kamerhe sont décidés d'aller en appel. Nous allons, parce que c'est un procès, je le dis bien, c'est un procès de tous les enjeux, dans la mesure où la survie politique de Vital Kamerhe dépend du verdict qui sera dicté par les juges d'appel. Nous allons également parler au cours de cette émission de la récente sortie du président rwandais Paul Kagame sur les massacres perpétrés dans la partie est de la République démocratique du Congo, et ainsi que la réaction du chef de l'État Félix Tshisekedi. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons Monsieur Patrick Mazombo-Buissa, à qui nous disons bonjour. Bonjour, chers camarades journalistes. Je rappelle que vous êtes président national des Congolais Unis pour le soutien du pacificateur Vital Kamerhe, CUSPVK en cible. C'est bien évidemment ça. Effectivement. Bien sûr, nous allons parler du procès en appel de Vital Kamerhe, mais j'aimerais quand même que nous puissions commencer par ces structure, parce que il y a des gens qui ne connaissent pas. C'est quoi CUSPVK? Dites-nous un peu, c'est quoi? Oui, messieurs les journalistes, le CUSPVK, c'est les Congolais Unis pour le soutien au pacificateur Vital Kamerhe Ouakanigi. C'est quoi l'objectif, cette structure qui s'est organisée justement pour soutenir Vital Kamerhe, pas autre chose? L'objectif, c'est de valoriser l'idéologie de Vital Kamerhe. C'est propager, informer l'opinion tant nationale qu'internationale que Vital Kamerhe n'est pas un individu. Vital Kamerhe, c'est une richesse. Vital Kamerhe, c'est une idéologie. Vital Kamerhe, c'est la valeur ajoutée que nous devons pérenniser pour que plus jamais les gens ne restent pas dans la confusion. Comme aujourd'hui, nous parlons de kimbanguisme. C'est un visionnaire, Simon, à la personne de Simon Kimbangu, qui a été inspiré par Jésus-Christ de Nazareth, comme le dit le kimbanguiste. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, cette vision a atteint les extrémités de la terre. Ça, c'est au plan spirituel. Spirituel, oui. Je peux aussi vous donner un cas aussi de Mama Olangi. Une femme qui a reçu la vision de Jésus-Christ de Nazareth pour le message de combat spirituel. Au jour d'aujourd'hui, cette vision a atteint les extrémités de la terre. Donc vous également, vous voulez diviniser Vital Kamerhe. Aujourd'hui, nous parlons de l'Umumbiste. C'est un individu. Oui. Mais l'idéologie, la vision de l'Umumbiste est restée dans plusieurs pays africains. Où vous allez retrouver des universités Patrice Emery Lumumba. Même en Allemagne, ce n'est pas seulement en Afrique. Alors, pourquoi pas Vital Kamerhe? C'est comme ça que nous, en tant que les chercheurs, les leaders d'opinion, nous avons essayé d'analyser parmi les politiciens de notre pays, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et notre choix est tombé sur Vital Kamerhe. Pourquoi le choix de Vital Kamerhe, bien évidemment? Parce que nous avions examiné ses actions.
Et nous avons trouvé que c'est l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut. Un vit son humilité. Rare des politiciens congolais qui ont l'humilité comme Vital Kamerhe, qui acceptent même de perdre ce qui est le plus important pour l'intérêt de la nation. Mm-hmm. Par exemple, Vital Kamerhe a accepté de quitter le perchoir de l'Assemblée nationale. Parce qu'il était en guerre avec son parti politique. Parce qu'il s'est opposé à la décision de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, de faire venir les troupes rwandaises dans notre pays. Et il en a payé le prix et il a accepté de partir. Chose que la plupart des politiciens congolais ne peuvent pas accepter à cause des intérêts égoïstes et égocentrisme. Vital Kamerhe a accepté, candidat président de la République, mais pour l'intérêt de la nation, il a retiré sa candidature pour laisser la place à l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chose que beaucoup de politiciens ne peuvent pas. Pourquoi? Vu l'expérience, il était déjà ministre, il était déjà commissaire général de la MONUSCO, il était président de l'Assemblée nationale, il était. Mais il a laissé tous ses titres pour l'intérêt de la nation et dire « je vais me faire colistier de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que le peuple gagne ». Ce sont des valeurs cardinales qu'on ne peut pas trouver à plusieurs des politiciens. Est-ce que ce n'est pas un culte de personnalité? Je ne le ferai pas. Ce que je dis, c'est vérifiable. Vous pouvez balancer les micro-baladaires, ceux qui sont honnêtes, en commençant par ces politiciens qui ne sont pas animés de la haine, du tribalisme, du régionalisme, ils vous diront que c'est vrai ce que je vous dis. Alors, votre structure Congolais Unis pour le soutien au pacificateur Vital Kamerhe, ça se trouve c'est seulement implanté ici à Kinshasa ou vous êtes un peu partout à travers le monde? Oui, nous avions commencé d'abord ici à Kinshasa et nous avions organisé la sortie officielle. C'était quand? C'était le 7 janvier 2020. Et je bénis le Seigneur parce que c'était à la présence de mon jeune frère, votre caméraman Thierry, qui avait couvert l'événement. Il y a eu trois événements le même jour. Mm-hmm. La sortie officielle, la signature de partenariat entre les CSPVK et l'INC et la coupure des rubans symboliques de notre siège ici. Mm-hmm. Le même jour. Et nous sommes reconnus par l'État congolais, parce que nous sommes notariés, nous avons les F90 du ministère de la Justice qui nous donnent l'autorisation de fonctionnement. Alors, et partant de ça, aujourd'hui, nous avions étendu notre espace. Nous avions dernièrement, au mois de fin mars, installé la coordination provinciale de Congo Central à Matadi. Aujourd'hui, les activités de CSVK sont en train de se dérouler très, très bien à Matadi. Et bientôt, nous allons aller encore installer les coordinations de Tchela. Il n'y a pas une semaine, nous devons procéder à l'installation officielle de la coordination de Kwilu à Kikwiti. C'est-à-dire dans le programme d'action de nos activités, oui. C'est pour étendre notre champ d'action dans toute la République démocratique du Congo. Et pourquoi pas ailleurs? Parce que nous avons déjà des noyaux, même à Paris, à Lyon, en Angleterre et en Allemagne et à Bruxelles.
Parce qu'il y a aussi... Ni t'étais le COVID-19, peut-être tu allais suivre dans les images l'installation de nos coordinations dans les pays, etc. Parce qu'actuellement, vous êtes également très suivi au niveau de la diaspora. Si réellement, il y a des gens qui se sont adhérés ou à des cellules ou des noyaux de votre structure là-bas, certainement, ils vont suivre. Mais vous avez dit que c'est depuis 2020, janvier 2020, que cette structure a été créée. Non, la structure officielle a été créée depuis 2019. Ok, la sortie officielle. La sortie officielle a eu lieu le 7 janvier 2020. Ici au Congo, depuis un certain temps, nous le constatons, si quelqu'un accède au pouvoir, il y a nous ressortissants, nous créons une structure de soutien à X. Vous également, vous avez créé votre structure pendant que Vital Kamerhe, son ami, Félix Tshisekedi, ont gagné la présidence de la République. Est-ce que ce n'était pas une façon pour vous d'aller chercher, de toquer auprès de Vital Kamerhe pour des éventuels postes au sein du gouvernement? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que nous ne sommes pas aussi incompétents pour briguer n'importe quel poste de responsabilité, parce que nous en avons l'expérience. Mais ce qui justifie notre sortie, c'est parce que nous avions voulu apporter un soutien à ce digne fils du pays qui a montré ses valeurs, que la plupart dans la haine et le tribalisme ignorent. Et nous, le CISPVK ne se limite pas seulement aux intérêts tribalo-ethnicaux, mais dans le CISPVK, vous retrouvez les membres de Congo central, de l'Équateur, de Kasaï, de Katanga, des provinces orientales, c'est-à-dire nous sommes entourés de toute la nation congolaise. C'est pour c'est là que vous entendez notre signification, le nom, les Congolais unis. Ce n'est pas les Congolais unis pour... Ce n'est pas les Kivusiens unis. Ce n'est pas les Kasaïens unis. Ce n'est pas les Katangais unis. Les Congolais en général. Les Congolais unis. Merci beaucoup. Nous allons y revenir, Patrick Mazombo. Nous aurons certainement des émissions qui seront consacrées à votre structure. Je rappelle que vous êtes président de la structure Congolais Unis pour le soutien du pacificateur Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, justement, nous allons parler, parce que ça constitue notre sujet principal, le procès en appel de Vital Kamerhe qui s'ouvre déjà la semaine prochaine, en début de la semaine prochaine. Vital Kamerhe au premier degré condamné à 20 ans de prison avec Jamal pour le procès sans jour. Selon au premier degré, les juges du tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombe ont dit que Vital Kamerhe avait détourné en complicité avec Jamal et les autres les sommes que vous, je ne peux plus revenir sur ça, que vous connaissez. Vous estimez aujourd'hui que le premier degré n'a pas bien fait les choses? Je ne cesserai de le dire, depuis l'invitation de Vital Kamerhe au parquet des grandes instances de Matete, j'étais présent. C'était une invitation qui s'est transformée en un mandat d'arrêt. Chose que, moi je pense, les juristes sont bien placés pour vous expliquer. Mais parce que l'officier du ministère public avait trouvé les indices sérieux de culpabilité. L'officier a dit devant le public qu'il y a eu des indices, des indices gras, sérieux de culpabilité. Sérieux de culpabilité. Mais après ces indices sérieux, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu on procès. A trouvé que les éléments qui étaient mis à sa charge ont commencé à disparaître jusqu'à être focalisés dans les détournements des deniers publics sur les maisons préfabriquées. Les Congolais ont suivi le déroulement de ce dossier et nous étions surpris par la décision de la condamnation de 20 ans de Vital Kamerhe. Chose que
les Congolais qui soutiennent Vital Kamerhe n'ont pas digéré. Seulement les Congolais qui soutiennent Vital Kamerhe. Oui, et ceux qui ne les soutiennent pas. Parce que le chef de l'État a promis au peuple congolais d'instaurer la vraie justice, qui n'est pas tribale, qui n'est pas régionale, qui n'est pas la justice de la haine. La justice qui élève la nation, qui n'a pas de couleur. La justice qui ne reçoit pas les injonctions pour dire la loi. Donc pour vous, CISPVK, vous estimez que la justice n'a pas été équitable et le procès était politique. Effectivement, vu ce qui est arrivé après cette condamnation, on a compris que les dossiers n'étaient pas à ce qu'on nous a présenté. Et que les dossiers étaient politiques. Et ce qui a confirmé cela, c'est les déclarations de part et d'autre de nos compatriotes. Quand vous dites que le procès était politique, Patrick Mazombo, vous dites bien que le procès était politique. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qui était derrière ce procès? Moi, je pense, vous et moi de la presse, vous avez suivi les guerres entre le FCC et l'IDPS. Allez-y, au Top Congo, vous allez trouver les éléments. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais je suis en train de vous répondre. C'est à vous d'aller faire réponse. Vous êtes les journalistes d'investigation. Vous devez aller. Nos téléspectateurs veulent savoir, selon vous, qui était derrière ce procès. Moi, je ne peux pas vous dire qui était derrière le procès parce que j'ai suivi comme vous et les autres le déroulement de ce procès. Spectateurs passifs. Et nous avions seulement assisté à des échanges. Des uns et des autres. Et partant de cela, nous avons dit qu'il y a quelque chose. Quitte à la justice maintenant de se saisir de ces éléments pour acquitter Vital Kamerhe. Parce qu'on avait dit qu'il a été condamné par le détournement des deniers publics sur les maisons préfabriquées. Après cette condamnation de 20 ans, on a découvert que les maisons préfabriquées étaient bel et bien, existaient bel et bien. Justement. Alors, non, ne me coupez pas parce que je vais terminer. Allez-y. Alors, le gouvernement en place a fait une déclaration que les maisons préfabriquées existaient en Angola, en Tanzanie, à Matadi, Boma, au port de Matadi, au Kasaï. C'est-à-dire, cette condamnation n'était pas conforme avec la découverte de tout ce qu'on avait dit. Et nous avions suivi, il n'y a pas longtemps, que le gouvernement a demandé à la SNEL. Il y a un document qui circule dans les réseaux sociaux qui a demandé à la SNEL d'aller électrifier les sites des maisons préfabriquées à Kinshasa. Alors, on se demande, mais on nous a dit que les maisons préfabriquées n'existaient pas. Mais d'où viennent ces maisons que le gouvernement a demandé à la SNEL d'aller électrifier? Là, il n'y a que 300 maisons au Kanchachi. 300 maisons, mais il faut compter ceux qui sont dans les ports de Lobito. Ceux qui traînent, les conteneurs qui traînent dans le... Sur les 3000 maisons. Les ports de Dar es Salaam. Et tout ce qui est au Kassab. D'ailleurs, votre collègue journaliste Israël Moutombo, qui est allé au Kassab pour aller palper du doigt l'existence des maisons préfabriquées. Et il est venu ici. Et il a dénoncé, et il a demandé même pardon parce que lui aussi avait traité Vital Kamerhe de Donc tourner. La présence de ces maisons préfabriquées dans différents ports à travers le monde et celles-là qui ont été déjà installées au niveau du Kanchachi, ce sont donc les éléments nouveaux que la défense pourra apporter lors du procès en appel. Je pense que c'est sans appel. La défense n'a qu'à présenter ces éléments nouveaux.
Parce que peut-être le juge qui avait rendu le verdict au premier dossier de la honte, que nous déclarons de la honte, n'avait pas bien fait leurs enquêtes pour aboutir à ces résultats. Cette fois-ci, où il y a des preuves de l'existence de ces maisons préfabriquées, les juges qui seront mis à la disposition de ces dossiers vont dire les droits et le peuple congolais retiendra qu'une fois dans l'histoire, la justice a dit les droits. Vous êtes très optimiste, je crois bien, et j'ai su, ça se laisse lire dans votre façon de parler. Est-ce que pour ce procès en appel, vous croyez que Vital Kamerhe sera innocenté? N'en déplaise aux détracteurs de Vital Kamerhe, la vérité est dite. Qu'ils le veulent ou pas, les preuves sont là. Et moi, je pense que ça sera une fois dans l'histoire que la justice a dit les droits tels qu'ils se doivent. La justice pourra dire le droit tel qu'il se doit. Patrick Mazombo, est-ce que vous savez que ce procès en appel, c'est un procès de tous les enjeux pour Vital Kamerhe? Parce que on dit bien que au second degré, le verdict du second degré plutôt est irrévocable. Au cas où la condamnation de Vital Kamerhe était confirmée en appel, la carrière politique de votre leader serait terminée. Est-ce que vous en êtes conscient? Monsieur le journaliste, retiens ceci. Condamné ou n'est pas condamné. Mourir ou n'est pas mourir. Vital Kamerhe, avec son INC et ses alliés, influencera les élections de 2023. Mais depuis qu'il est en prison, on a senti une certaine timidité de la part de l'UNC et ses alliés que vous êtes. Tout sauf nous. Depuis l'arrestation de Vital Kamerhe, le CISPVK est resté à la tête pour crier à haute voix jour et nuit. Et c'est grâce à nos interventions médiatiques qui a réveillé même les services de communication de l'INC et les membres de l'INC qui dormaient. Parce que nous sommes restés en train de sonner la trompette. Et nous nous en félicitons parce que nous avions compris que il ne fallait pas garder silence. Au jour d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Vital Kamerhe est incontournable pour la relance de la politique congolaise. Est-ce que vous avez fait un constat comme moi, comme tous les autres Congolais, depuis l'arrestation de Vital Kamerhe, la situation entre l'UDPS et l'UNC et ses alliés s'est de plus en plus détériorée. Vous avez également fait ce constat-là? Oui, effectivement, nous sommes en politique. Et en politique, on ne se donne pas des cadeaux. C'est à chacun d'affûter ses armes. Oui. Mais ce que je sache, nous avons les seules autorités morales, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est à lui de mettre ses troupes ensemble pour l'objectif de la continuité. Mais est-ce que vous croyez que cash existe toujours depuis l'avènement de l'Union Sacrée? Le cash existe toujours. L'Union Sacrée n'est pas venue dissoudre le cash. La raison pour laquelle, dans les gouvernements de Sam Lokon, vous avez trouvé les membres de cash
l'INC est là, l'IDPC est là et ses alliés. C'est-à-dire les cas qui continuent. Vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûr parce que la nomination du gouvernement nous a démontré qu'ils sont ensemble. Selon l'accord du CASH en 2023, c'est Vital Kamerhe qui sera candidat président de la République. Supposons que Vital Kamerhe est acquitté aujourd'hui, sera-t-il candidat président de la République en 2023 dans la mesure où le chef de l'État à Lubumbashi a déjà donné un temps qu'il va revenir pour demander un second mandat. Donc Vital Kamerhe ne peut plus espérer à la candidature et au soutien du CASH à sa candidature pour 2023. Je pense, monsieur le journaliste, je ne peux pas répondre à cette question parce que l'État n'est pas encore là. Mais il faut anticiper quand même. Je ne voudrais pas aussi anticiper parce que laissons le temps hein, au temps. Laissons le temps au temps, ça c'est une réponse sage de la part de Patrick Mazombo Buissa, il est président national de Congolais Unis pour le soutien au pacificateur Vital Kamerhe. Ça nous reste 5 minutes, mais j'aimerais qu'avec ces 5 minutes, nous puissions parler de la sous-région quand même, et puis la déclaration de Paul Kagame en France sur les massacres perpétrés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Paul Kagame a nié l'implication du Rwanda alors que tout se démontre noir sur blanc que le Rwanda y est pour quelque chose. Quelle est votre réaction par rapport à la déclaration du président rwandais Paul Kagame? Je pense que je l'ai dit dans mon propos de point de presse. Je respecte beaucoup le président de la République rwandaise, Paul Kagame. Mais tout ce que je vous dirais, que la vérité était dit. On ne peut pas vendre les mensonges pendant des années et des années. Un jour, ça vous rattrapera. Et moi, je pense que l'État est arrivé pour que les mensonges qu'a véhiculé les Rwandais, si la génocide et nier les massacres perpétués en République démocratique du Congo, c'est seulement la honte. Et c'est la fuite en avant. Parce que nul n'ignore que les rapports Mampinga n'ont pas été faits par les Congolais. Non. C'est les experts des Nations Unies qui ont fait ces rapports. Et qui oublie que les Rwanda et l'Ouganda se sont affrontés à Kisangani. La guerre de six jours. Cette guerre n'avait pas fait de victimes. Alors, moi je pense que c'est l'occasion maintenant que les Nations Unies puissent instaurer le tribunal international pour sanctionner les coupables et les auteurs de ce massacre qui a eu lieu en République démocratique du Congo. Mais en réaction, tout le monde s'attendait quand même à une réaction musclée de la part de Kinshasa, mais on a suivi le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avec sa déclaration. Il a dit qu'il ne voulait pas polémiquer avec son homologue rwandais. Est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse vis-à-vis de Paul Kagame? Mon cher ami, ce n'est pas un aveu de faiblesse pour le président de la République, mais plutôt c'est la réponse sage. Parce que quand vous êtes avec quelqu'un qui est agité, mais vous êtes partisan des pièces contre pièces, comme le disait Vital Kamerhe au procès. Il fallait s'attendre aussi à pièces contre pièces entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Non, le procès de pièces contre pièces, c'était le procès des 100 jours. Et celui des déclarations du président Paul Kagame demande la sagesse. Et c'est dans cette sagesse que tu as vu le président de la République est sorti grand. Parce qu'il n'a pas polémiqué, il n'a pas fait coup sur coup. Il a répondu sagement. Merci beaucoup, Patrick Mazombo Buissa. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre mot de la fin?
en 30 secondes. Oui, je remercie d'abord mes compatriotes, mes camarades, membres du CSPDK pour le travail abattu à Kinshasa, à Matadi, à Kikwiti et partout. Vraiment, coup de chapeau à mes collaborateurs et à nos alliés de l'INC qui nous accompagnent partout pour la réussite de cette mission. Et je rends hommage au président de l'INC, l'honorable Vital Kamerhe, en lui témoignant notre loyauté, notre fidélité, notre soutien. Malgré ces moments difficiles qu'il est en train de traverser, il peut compter sur nous. Parce que pendant qu'il est là, nous continuons à sonner la trompette. Et nous savons que la justice de Dieu est supérieure à la justice des hommes. Même si les hommes se trompaient, Dieu ne se trompera jamais. Et un jour, on se regardera aux yeux avec ceux-là qui sont à la base de cette situation. Et ils manqueront de quoi dire ou bien de nous regarder face à face à cause de cette injustice. Merci beaucoup Patrick Mazombo-Buissa, président des Congolais Unis, pour le soutien au pacificateur Vital Kamerhe, CUSPVK en sigle. Nous sommes arrivés à la fin. Merci également à vous, chers internautes, de nous avoir prêté votre attention. Vous avez été très nombreux en train de nous suivre partout à travers le monde. C'était pour vous cette émission Face à Face qui a, je rappelle, parlé du procès en appel de Vital Kamerhe qui doit s'ouvrir le 31 mai prochain. Et nous en avons parlé avec le président des Congolais Unis pour le soutien au pacificateur Vital Kamerhe, Patrick Mazombo. On a également parlé de sa structure, les objectifs, l'installation. On a également parlé de la déclaration de Paul Kagame sur les massacres à l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que la réaction du chef d'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à vous, Thierry Batondoko, pour le cadrage. Sabi Moulamba, dans la partie technique. Merci à l'ensemble de l'équipe de Léon Joléo. On se retrouve à la prochaine.